Nous bâtirons notre monde, et nous vivrons comme nous l'entendons. Viens-moi, Ifrit ! Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. Nous devons devenir des êtres libérés, purs et divins. Oh, j'en ai assez entendu. Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Bénédicta ! On avait un rêve ! J'aurais pu être le roi de ce monde ! L'enjeu est capital. Pourquoi attiser ainsi le feu de la guerre ? Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Final Fantasy XVI. Et on progresse toujours avec Cid et Jill. Évidemment, il y a un épanchement des terres stagnantes. Évidemment. C'était à prévoir. Cid, est-ce bien prudent de descendre ? Les émissaires et les pourvoyeurs résistent à l'éther. Ça devrait aller si on ne s'attarde pas. Elle a raison. Faudra pas qu'on traîne trop dans les environs. On arrive aux galeries de la mine. Le cristal mer se trouve plus loin. Eh ben allons-y. Traverser cet endroit, on sait jamais. Hop. Voilà. Ouvriers comme les gardes. On ne peut plus rien pour eux. Il faut les achever. D'après Apolline, une rumeur dit que l'Empire compte abandonner Oriflamme. Est-ce que c'est lié ? Ah, je comprends mieux maintenant. Ils doivent savoir qu'il y a un épanchement des terres dans les mines. Avec Sonny d'Etheric sous ses pieds, il veut déplacer la capitale. Ça explique qu'il y ait si peu de gardes à l'entrée. Allez. Un petit ravin qui va me faire peur. Allez. Ça va faire crack. Et voilà. Et merde. Bouge pas. Sans toi, j'aurais mal fini la journée, je crois bien. T'as voulu nous fausser compagnie, hein ? J'oserais pas. Vous pouvez plus vous passer de moi. C'est vrai. Allez, on avance. Après ce moment de bromance intense. Cri de guerre, ok. D'accord. Ok. Vas-y, t'as
Allez, me prends. Vas-y, Talgor. Voilà. Et on avance, on avance, on avance. Voilà. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Vas-y, Talgor. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Talgor. Je suis passé par là la dernière fois, mais on dirait qu'ils ont rajouté une grille. Pas à trois. Trois. Ça veut pas s'ouvrir. Encore. Allez, avec moi et avec conviction. On n'a pas que ça à faire. Ah.
bientôt arriver au Crystal Mer. Vraiment? Tu en es bien sûr? À moins que quelqu'un l'ait bougé. Eh ben, on y arrive. Y'a pas un chat dans le coin. C'est ça, chef Drac. C'est vraiment immense. C'est là. Le sanctuaire est de l'autre côté du pont. Ils sont même pas embêtés à réparer. Il doit vraiment manquer de moyens. Attends, tu ne vas pas me dire que c'est toi qui... Mais si. La dernière fois que j'ai essayé de m'infiltrer ici, je suis tombé nez à nez avec Bahamut, juste avant ce pont. Il y a encore la trace de mon passage. C'est pas ma faute, c'est lui qui a cherché. Tu as eu de la chance de réussir à t'enfuir. Allez, faisons ce qu'on a à faire, et ne traînons pas. Et ben go. Oh non. Ces monstres étaient au Fort Phoenix et on les retrouve ici dans le sanctuaire. Ça voudrait dire que ces deux endroits sont liés? Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Vas-y, Talgor. Vas-y, mon grand. Vas-y, Talgor. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Okay.
Quand j'étais dans l'armée, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait un gardien du sanctuaire dans la partie la plus profonde de Shepard. Je me souviens pas avoir vu un gardien par ici. En tout cas, j'en ai pas croisé une fois. Restons donc sur nos gardes. C'est tellement classe. Qu'est-ce que c'était ? Et d'où il sort ? Bon sang. Même le gardien du sanctuaire est devenu éthérique. Vas-y, mon grand. Vas-y, d'accord. Allez, mon grand.
maintenant. Allez, moi. Dommage. Et ben voilà. Mieux de bouger avant que des gardes arrivent en renfort. Ceci dit, je sais pas s'ils pourront envoyer grand monde avec cette concentration des terres. Ah. Clive. Hmm? Si le plan marche et qu'on détruit les cristaux mères, on sera parmi les derniers au monde à pouvoir utiliser la magie. Et ça, ça veut dire que les choses pourraient devenir assez tendues pour les gens comme nous. On risque d'en baver, je pense. Mais quand tout sera fini, ce sacrifice nous permettra de changer le monde. J'en suis convaincu, même s'il y a un prix à payer. Depuis quand est-ce que tu t'inquiètes des conséquences, toi? Je te l'ai dit, nous avons choisi de te faire confiance. Alors on n'a plus qu'à se lancer. Ce sera le premier au fait du plus grand des malotrus, Cid le renégat. Allez, c'est parti. Pas renoncer maintenant, Cid. Non. Alors, on fonce. C'est si beau. Le cristal mère de Chef Drac. Bon, ça le fait pas. Ce truc est un peu plus coriace que prévu. Je suis équipé. Ne fatigue pas, Clive. Ça suffira pas à l'entamer. Ce truc est bien plus solide que les cristaux qu'on connaît. On dirait que j'ai pas le choix. C'est le moment de prendre un petit coup de vieux. Reculez. Je vais me changer en rameau. La classe. Ça devrait le faire. Oh.
Clive, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Sid ! Oh, il est moche. Et merde, il faut que je me transforme aussi. Où m'as-tu emmené ? Je suis déjà venu ici. Qu'est-ce que tu veux ? Merde. Ce truc bouge encore. Prépare-t-il d'autre ? Thank you.
Je ne vais pas te laisser faire. Je l'ai eu. Mais qu'est-ce qu'il prépare ?
Et ben voilà une bonne chose de faite. Enfin, t'es de retour parmi nous. Tu es blessé. Ouais, j'avoue que c'est pas ma plus grande heure de gloire, là. Vite, il faut te soigner. Non, c'est pas le moment. Je comprends enfin. C'est toi qui étais responsable de tout ça. Tu vas voir. Faut te ménager. Clive, tu as su mettre des mots sur la conviction qui m'a toujours animé. Et tu as raison. On a tous besoin d'un endroit où on peut vivre en homme libre. Sans rendre de compte à personne. Et c'est ça, en fait, que j'ai cherché toute ma vie. Un endroit où les gens peuvent choisir leur destin. Et vivre en paix. Je suis sûr que toi, t'en trouveras un. Quelqu'un libère ce triste monde de cette malédiction. Arrête ! Sid ! Maintenant, c'est ton tour d'être le renégat. Compris ? Et ben voilà comment on récupère les pouvoirs de Ramu.
Ô flammes éternelles, changez les rémanences des morts en feu de résurrection. Pardonne-moi, Clive. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Tu te souviens de moi ? Tu les as défendus. C'était très courageux. Il a grandi, le petit frère. Je sais que tu es là, Ultima. Donc, tu connais notre existence. Tu nous impressionnes, Phoenix. J'ai parcouru le monde entier pour découvrir ce que tu manigances. Depuis le jour maudit où tu nous as séparés, mon frère et moi. J'ai réussi à comprendre que c'est après lui que tu en as. Mais je te préviens. Les choses ont changé. C'est moi qui le protège. Très bien. Ô souffle des dieux anciens, porteurs de pouvoirs oubliés, chassez ces palabres impurs et protégez-nous de leur noirceur. Tiens, une barrière. Il est pas mal, le petit. Tout ça ne nous mène à rien. En effet. Cessons ces jeux futiles, Phoenix. Tu vas nous donner le réceptacle. Pas question, monstre. Les flammes sont visibles. Tu vas découvrir le véritable feu. Je n'espère pas te vaincre. Je sais que tu es l'essence même de la raison. Mais... inutile de te tuer pour sauver Clive. Ce sont les flammes de la Renaissance. As-tu oublié qui je suis ? Et quels sont mes pouvoirs ? Ici, tu ne pourras pas atteindre mon frère. Monstre. Oh, oh,
Et on se quittera là-dessus, les amis. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. C'est important pour le référencement sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous et cochez la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite. Gab, faut qu'on sorte de là. Je sais, j'arrive. Signe n'est nulle part. Faut-il prévenir Kupka ? Ce ne sera pas la peine. Les plus belles étoffes des maîtres tisserands de Randella. Touchez-les, vous n'en croirez pas vos doigts. C'est le cadeau parfait. Ils sont bien tendres, mes chocobos, pas comme les vieilles carnes qu'on trouve ailleurs. Allez-y, goûtez. Pour la popote, c'est par ici. Pois et poivrons, patates et potirons, c'est parmineux, mais c'est délicieux. Attention, sirop, infusion. Regardez, messire, on fait pas plus frais. Vous m'en direz des nouvelles. Infusion. Onguent en plâtre liniment. Décoction, sirop, infusion. Onguent en plâtre liniment. Auriez-vous besoin d'une potion, madame? Ou bien un baume apaisant pour les jambes fatiguées? Désolée, j'en voudrais bien, mais... Alors, bon voyage à vous. Décoction, sirop, infusion. Onguent en plâtre, liniment. Décoction, sirop, infusion. Onguent en plâtre, liniment. Enfin te voilà, Sid. Dis-moi tout. Les pourvoyeurs sont enfermés dans un ancien tribunal des faubourgs. Je pense que tu peux deviner qui se charge de les surveiller. La garde rapprochée de Kupka. C'est un piège. Et on ne peut pas dire qu'ils soient des plus subtils. Encore ? Il n'a donc rien de mieux à faire ? Je vais libérer les prisonniers avant la nuit. Alors ça, c'est hors de question ! Nos camarades ne se sont pas sacrifiés pour que tu meures dans un traquenard cousu de fil blanc en jouant les héros. Tu préfères abandonner les prisonniers ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense simplement que quelqu'un d'autre devrait les libérer. J'abandonne. Tu es aussi buté que l'ancien Sid, toi.
Au moins, je t'aurais prévenu. Tu es Cid à présent. Et si quelque chose t'arrive, on est foutu. On n'est pas au courant. On n'a pas de raison de mentir. On voudrait bien vous aider. Oh, mais vous nous aidez déjà, vous savez. Je vous en prie, messire. Rendez-nous à nos maîtres. Ferme ta gueule! Aucun signe de Hugo. Je parie qu'il ne s'attend pas à ce que Cid prenne un si gros risque. Tant mieux pour nous, alors. Je vous en supplie! On vous a dit de vous taire, sale marqué! Tout va bien se passer. Qui parmi vous veut goûter à mon coup de foudre? C'est lui! Le renégat, Cid est là! Allez! Vite! Appelle les autres! C'est bon ? Oui.